Ah, alors papou, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on remballe, c'est fini. Mais c'était très bon. Salut, salut. Alors Caramel, qu'est-ce qu'on fait? On remballe. On rentre à la maison. Moutitou. Qui a bien pu faire tout ça? Eh oui, les youtubeuses font la vaisselle. Allez, hop, hop, hop. Allez, activité, hop, hop. Diminue les cercles, là. Allez, on va faire plus grand. Allez, hop, hop, hop. Allez. Il le fait. Un petit débrief en face cam des trois reprises que nous avons fait au championnat de France 2019. Donc on va commencer par l'équiathlon club 2 excellence que nous avons fait du coup avec Victor de la chaîne Caval Blog et Julie de la chaîne Carnet d'une cavalière. Je vous mettrai dans le petit i le vlog de nos épreuves. Du coup après le dressage, donc moi j'ai commencé l'équiathlon, c'était la première épreuve, je sors en 62,8% et nous étions du coup 26e sur 42 après le dressage, ce qui est vraiment plutôt pas mal je trouve pour une épreuve excellence dans laquelle nous n'avons pas grand chose à faire avec Mala, dans le sens où je ne suis jamais en excellence habituellement et que là on l'a été un peu grâce à Julie étant donné qu'elle a été championne de France en derby cross. Après le CSO on est remonté à la 16e place sur 42 équipes du coup grâce au sans faute de Victor et nous avons fini ce championnat par Julie qui nous a fait un sans faute mais malheureusement une seconde ou deux secondes de temps dépassé, deux secondes, et ça faisait 0,8 points. Du coup on finit à la 8e place sur 42, donc un petit flow, pas de remise des prix malheureusement étant donné que la remise des prix c'était que les 5 premiers, mais c'était vraiment trop trop bien. Mala était géniale, j'étais vraiment trop trop fière d'elle, vous avez pu le voir sur les images, elle était vraiment hyper à l'aise. C'est une reprise qu'on n'avait jamais déroulée, c'est à dire qu'on fait pas du tout de club 2 CCE à la base et que c'est la reprise club 2 CCE.
Donc c'était la première fois qu'on l'a déroulé en concours. Habituellement j'ai la bride, là j'avais le gog. Donc ça avait rien à voir avec ce qu'on faisait d'habitude. Donc pour une première fois c'était vraiment vraiment très très bien. Je suis très contente de Mala et assez contente de moi aussi. Ensuite on passe sur l'épreuve individuelle. Donc je faisais club de jeunes cavaliers. On était dossard 17 et nous étions combien de partants? Je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. 45 je crois. 45. Ouais, on était 45 partants il me semble. Oui c'est ça, 45, parce qu'il y avait 3 personnes après moi dans le classement. Du coup on finit 42e sur 45. Moi j'en rigole un petit peu, mais bon. Donc on fait une reprise libre, vraiment pour Ave, mais par ma faute. C'est-à-dire que j'étais perturbée, enfin je sais pas ce qui s'est passé. La jument était vraiment top, à la détente, top sur le tour, vraiment. Et en fait, malade a pas compris. Parce que j'ai fait démarrer ma musique une lettre trop tôt. C'est-à-dire que bah, du coup j'étais plus du tout synchro sur ma musique et j'ai inventé des figures pour essayer de me rattraper. Du coup c'était pas, bah, c'était pas propre, c'était pas fluide, c'était pas précis. Mala a pas trop compris pourquoi on faisait pas la même reprise qu'on s'est entraîné et qu'on a déroulé au moins une cinquantaine de fois. Oui Mala, je suis nulle, je sais. Et du coup bah voilà, donc on sort quand même. Malgré tout, en 61,63%. Donc, pour ce qu'on a fait, c'est pas si mal que ça. Franchement, c'est pas si mal que ça. Notre magnifique costume et notre belle musique a bien remonté la note. Donc, le costume a été fait par Equivolt, donc, qui devient maintenant Fairy Dream. Donc, je vous mettrai son Instagram dans la barre d'informations. Et tout le costume pour moi a été fait par nous-mêmes, avec mon papa, moi, etc. Donc, voilà, c'était vraiment très très beau, je posterai plein de photos sur Insta aussi. Et ensuite nous avons fait du coup le lendemain notre Grand Prix. Donc on est passé sur l'équiathlon et la libre le même jour, donc deux reprises dans la matinée. Donc pour Mala et pour moi c'était un peu gros timing, on s'est un peu speedé mais ça s'est quand même bien passé, je suis contente. Et après sur la Grand Prix on a fait quelque chose de bien. Franchement moi je suis vraiment contente de Mala et de moi. Malheureusement on a quelques petites erreurs quand même parce que la jument est un petit peu raide. Moi soit j'étais trop contracte, soit j'étais trop relâchée. Du coup elle fait une rupture de galop à un moment malheureusement. Mais j'ai trouvé ma reprise vraiment pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était pas parfait, c'est clair, mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Et on sort seulement en 56,25%. J'ai pas trop compris. Mais bon, moi pour moi ça méritait quand même un petit peu plus. Peut-être pas autant que sur la libre. Enfin quoique. La libre, il y a le costume qui rattrape, etc. Mais j'aurais bien aimé un petit au moins 59. Voilà, 56%, c'est vraiment pas beaucoup. On n'a jamais dressé en si peu. Ou alors sur des concours où ça s'est vraiment mal passé, mais sur une reprise qui est quand même pas trop mal. Enfin voilà, je suis un peu déçue de la note. Mais moi je suis très contente de mes derniers championnats. Enfin c'est mes derniers championnats avec Mala. Étant donné que bah, Mala 19 ans va avoir 20 ans. Mais voilà, je suis très très contente et on finit 43e sur 45. Voilà, mais moi je suis contente. On a fait quelque chose de super sur l'équiathlon, c'était une super expérience. Mala a été exemplaire tout le long, mais vraiment pas du tout dépaysée. Une jument hyper calme, hyper réceptive, qui a été capable de prendre sur elle parce que vraiment... Pour la reprise libre, la détente a été vraiment géniale, mais la fatigue commençait à venir. Et arrivée sur le carré, elle s'est dit on donne tout. Pareil sur la Grand Prix, et franchement, je suis super fière d'elle. Donc, c'est une très bonne expérience pour ces derniers championnats. Et voilà, la petite larmichette que vous avez dû voir sur le vlog de nos reprises individuelles à la fin. À la fin de la reprise Grand Prix, l'émotion est un petit peu montée du fait que c'est mon dernier Lamotte avec Mala, mais voilà, je suis très très contente. Donc on ramène quand même un classement malgré tout pour nos derniers championnats. Donc voilà, c'est tout pour le débrief.